Madame, monsieur, bonsoir. On se rend ce soir sous l'arbre à palabre. Il s'y tenait cette semaine une concertation entre le ministre des Forêts et de la Faune, Jules de Rendongo, et les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans les activités forestières. Il s'agissait d'une rencontre de sensibilisation visant à instaurer un dialogue permanent entre les deux parties. Cela dit, l'occasion est bonne, puisque nous sommes sous l'arbre à palabre, pour évoquer quelques-unes des très nombreuses polémiques qui agitent le feuillage de nos forêts. Pour résumer, on parle d'une gouvernance assez peu scrupuleuse qui met en péril le patrimoine forestier du Cameroun. Qu'en est-il réellement? C'est la question que nous posons dans ce numéro d'actualité hebdo à M. Jules de Rendongo, ministre des Forêts et de la Faune. Bonsoir, M. le ministre. M. Béli, bonsoir. M. le ministre, l'imagerie populaire se montre extrêmement sévère. Dès qu'il s'agit de parler de la forêt, des acteurs de la forêt, on parle de corruption, on parle de toutes sortes de mots. Est-ce que cette mauvaise réputation procède d'un mauvais procès? Le secteur de la forêt charrie beaucoup de mythes. Il charrie des histoires, il a une réputation sulfureuse. Mais je suis convaincu par rapport aux hommes et aux femmes que j'ai trouvés dans ce département ministériel, tout en sachant qu'il n'y a pas de fumée sans feu, qu'il y a quand même une part d'exagération dedans. Ça, c'est bien dit. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il se passe quelque chose. Il se passe qu'il y a les rumeurs qui sont colportées, qu'il y a également des personnels qui sont sanctionnés, que c'est un secteur où il y a d'importants moyens financiers, ainsi que des intérêts évidemment divergents, divers et divergents. Monsieur le ministre, en préparant cette émission, je suis tombé sur un chiffre qui peut faire réfléchir. Le total des amendes infligées aux forestiers, 2,5 milliards de francs. Ça veut dire que la situation n'est pas reluisante. Ça veut également dire que mes services chargés du contrôle font leur travail et font bien leur travail, puisque des délinquants sont interpellés, ils passent en transaction à leur demande, et à l'issue de cette transaction, il y a des amendes qui sont infligées, et nous faisons notre travail, nous veillons à ce que la loi forestière soit appliquée, et une fois que les faits ont été commis et les individus interpellés, nous sévissons. Il y a quand même quelques délinquants qui passent entre les gouttes. Aucune œuvre n'est parfaite, mais nous veillons à ce que les services, que ce soit les chefs de poste forestiers, que ce soit les brigades régionales et à mon niveau, au niveau national, que ces gens soient mis en mouvement de façon permanente. Et s'il y a des gens qui passent à travers les mailles du filet, je voudrais bien qu'on me les identifie pour que je reprenne l'action. Alors, l'imagerie populaire, encore elle, prétend que le plus sûr moyen de s'enrichir aujourd'hui, c'est d'entrer dans la forêt. Je ne sais pas, mais je sais que c'est un investissement qui ensuite appelle des revenus. Est-ce qu'entrer dans la forêt, dans la mine aussi peut-être? Ce qui est certain, c'est que l'exploitation du bois a pour contrepartie un montant, une rémunération. Et que c'est une matière qui est très recherchée, le coût est élevé, et donc ceux qui sont dans ce secteur, évidemment, ils se font de l'argent. Moi, l'intérêt du ministre, c'est de faire en sorte que les intérêts de l'État et l'intérêt général soient préservés et de veiller à ce que, en tant qu'important contributeur au budget de l'État, que j'apporte ma part à l'effort de construction nationale, l'effort de mettre en place un budget qui puisse subvenir aux besoins du pays. L'intérêt général, est-ce que nos forêts ne disparaissent pas trop rapidement? Est-ce qu'il n'y a pas une exploitation abusive? C'est l'impression que donne le nombre de camions que l'on voit sur nos axes lourds en direction des ports de Kribi, de Douala. Mais je dois dire que là aussi, n'étant pas encore dans le secteur, je me posais la question et j'avais la même appréhension. Je dois avouer que les contacts et les explications données par les services ont fini par me convaincre. Et je dirais pour nos téléspectateurs et pour tous les Camerounais qu'en réalité, notre pays est une zone de transit dont beaucoup de bois que nous voyons aujourd'hui, ces camions que nous observons. Vous allez me permettre, monsieur le ministre, s'il vous plaît, vous dire que c'est une explication éculée. Ce bois ne vient pas forcément d'ailleurs, il vient peut-être de l'Est. Ce bois vient du Congo, il vient de la Centrafrique, il vient des pays voisins, il vient également du Cameroun. Maintenant, à cela, je vais ajouter que sur à peu près 22 millions d'hectares de forêt, vous avez un domaine permanent qui lui est assujetti
à un aménagement durable. Alors, les techniques qui sont appliquées en matière d'aménagement veulent que les assiettes de coupe, c'est un terme technique, mais ça veut dire une portion de forêt. Alors, cette portion de forêt, une fois qu'elle a été exploitée, on la ferme et on attend 30 ans. Pendant 30 ans, on ne va plus dans cette portion et on laisse donc au bois qui grandit d'atteindre ce qu'on appelle le diamètre d'exploitabilité. À cela, j'ajoute que sur à peu près 300 essences inventoriées, uniquement une centaine sont soumises à l'exploitation. C'est donc dire que nous ne sommes pas en danger. On n'est pas en danger, il ne faut pas s'inquiéter. Pas du tout. Tout va bien. Je confirme. Monsieur le ministre, il y en a beaucoup qui s'inquiètent également de la capacité du Cameroun à reboiser les surfaces qui ont été exploitées. Est-ce que nous en avons la capacité? Est-ce que cela se fait? Pour dire déjà que c'est l'une des principales missions du département ministériel dont j'ai la charge, si nous sommes dans l'aménagement durable, dans la gestion durable des ressources forestières et fauniques, cela impose qu'il faut penser à nos arrière-petits-enfants. Donc, au plan de la législation, nous faisons obligation à nos partenaires, à nos opérateurs, de reboiser. Le reboisement a été, on va dire, pris en charge depuis très longtemps, mais de façon formelle et importante. Il y a quelques chiffres. Oui, c'est en 2006 que le Premier ministre lance le programme national de reboisement. Aujourd'hui, de 2006 à nos jours, 5 milliards de francs ont été injectés, 30 000 hectares ont été réalisés. Maintenant, évidemment, cela ne suffit pas. Et notre modèle est sur les pays d'Europe du Nord, mais cela nous demande, après un petit calcul, à peu près 60 milliards dans l'année. Parce qu'il faut, chaque fois que c'est coupé, reboiser, il faut la trouaison, il faut l'entretien, il faut la maintenance. Nous avons envisagé de mettre en place, et cela est en cours, un programme national de développement des plantations forestières avec comme bras armé l'ANAFOR. J'ai instruit qu'avant la fin de l'année, ce programme soit élaboré, validé. Ensuite, nous allons appeler tous les partenaires à une réunion et ensemble, nous verrons comment commencer à le mettre en œuvre dès l'année prochaine. Vous avez parlé de l'ANAFOR, l'Agence nationale pour le développement forestier. On n'en entend pas beaucoup parler, monsieur le ministre. Mais l'ANAFOR est bel et bien en place. Directeur général nommé, conseil d'administration avec un président à sa tête. Et pour lui donner les moyens de sa mission, à côté du contrat plan engagé par le Minepat et le MIFI, au niveau du ministère des Forêts, nous avons mis à sa disposition en gestion une UFA, une unité forestière d'aménagement, qui devrait lui permettre de tirer quelques moyens supplémentaires pour permettre de mettre en œuvre son action et ses missions. Monsieur le ministre, je voudrais évoquer quelques questions qui pourraient fâcher. Le Technopole aidé à Tech, est-ce qu'il a été mis en place? Est-ce qu'on ne s'est pas contenté de déboiser? Alors, Edeatech répond un peu à un souci du gouvernement de développer les matières, les ressources forestières naturelles ou d'autres ressources. Vous avez un partenaire qui se présente et qui se propose, avec l'aide de l'État ou avec des partenaires camerounais privés, de mettre en place des unités de transformation qui vont permettre d'acquitter les impôts, de créer des emplois, et à côté, on a des emplois connexes. Et parfois, vous vous trouvez dans la situation où notre partenaire expatrié prend le chemin le plus facile, celui de l'exploitation forestière, et non celui de la mise en place d'une unité de transformation. À ce moment, que fait l'État? Il réagit, il privilégie l'intérêt national, l'intérêt général, et s'il le faut, il met un terme au partenariat. Dans le cas des Diatech, je voudrais vous dire que cette affaire est devant les tribunaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de technopole? Pour l'instant, non. Le partenaire s'est engagé dans une voie qui n'était pas celle appropriée et le gouvernement a réagi. Autre mini-scandale, cette concession accordée pour le développement d'une palmeraie agro-industrielle à Ngouti, en le coupé Manengoumba. Où est-ce qu'on en est? Le coupé Manengoumba, c'est une zone à forte teneur ligneuse, ça c'est connu. Là également, nous avons eu un engagement avec des partenaires et le motif de départ, c'était une exploitation d'une palmeraie, donc une exploitation, on va dire, agro-industrielle. Ce faisant, alors même qu'on mettait en place, le préalable, c'était quand même de déforester, puisqu'il faut dégager des espaces qui vont porter la plantation.
Mais cela a donné lieu par la suite à une exploitation, on va dire, frauduleuse de nos forêts. Nous sommes passés à une phase de redimensionnement, ce qui a permis que les activités agro-industrielles aient bel et bien lieu, mais que l'exploitation forestière illégale, elle, n'ait pas lieu. Là également, le gouvernement a réagi rapidement. Ça fait quand même beaucoup. Ediatek, Ngouti, ça fait beaucoup. C'est peut-être ce qui fait la réputation sulfureuse, mais moi, ce que je remarque et qui me plaît, c'est que chaque fois que cela était nécessaire, les pouvoirs publics sont revenus rapidement sur la question. Et je pense que des mesures d'encadrement et qui appellent à une vigilance permanente des autorités déconcentrées, de moi le ministre et de mes services, notamment la brigade nationale, que nous demeurions vigilants. On va parler un petit peu de l'actualité, d'une autre actualité de cette semaine. C'était le retour à Yaoundé du président de la République et de Mme Chantal Biya après leur voyage en Chine. Joseph Clément Omba. Exhalant un parfum de campagne électorale, le pavillon d'honneur de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène semble déjà vibrer au rythme de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Retrouvant cet enthousiasme militant, l'aéronef présidentiel touche le tarmac de la terre hospitalière de Simalène à 17h20. Au bas de la passerelle, pour lui souhaiter un agréable retour, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre chef du gouvernement, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le premier vice-président du Sénat et l'ambassadeur de Chine à Yaoundé. Ils accueillent le chef de l'État et Mme Chantal Biya. Paul Biya, qui faisait partie des 53 chefs d'État et de gouvernement témoins du 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique, tenu du 3 au 4 septembre 2018 à Beijing, en Chine. Il salue à l'entrée du pavillon d'honneur d'autres corps constitués ayant à leur tête Paul Elunche, ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Et plus loin, les épouses des proches collaborateurs du chef de l'État, venus comme ses militantes et militants du RDPC et certaines associations venues dire bon retour au couple présidentiel. Le chef de l'État accorde ensuite une série de 5 audiences au président de l'Assemblée nationale, Kava Yege Djibril, au premier vice-président du Sénat, Abdoulaye Aboubakari, au premier ministre chef du gouvernement, Philemon Yan, à l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Yaoundé, Wang Yingwu, et au ministre secrétaire général de la présidence, Ferdinand Bongo. Dans le salon attenant, Mme Chantal Biya feuillette son carnet de voyage avec les épouses des proches collaborateurs du chef de l'État, le tout dans une ambiance studieuse où on semblait lire entre les lignes la dernière main mise sur une campagne électorale qui commence le 22 septembre prochain. Paul Biya, qui s'apprête à solliciter les suffrages de ses compatriotes le 7 octobre prochain, compte sur la CRTV pour une couverture optimale de la campagne et de l'élection présidentielle, avant, pendant et après le scrutin. Après avoir parcouru les 20 km qui séparent Simalène de Yaoundé, le chef d'État Paul Biya et son épouse regagnent le palais de l'unité. Actualité hebdo ce soir avec le ministre des Forêts et de la Faune, Jules de Rendongo. Monsieur le ministre, un autre sujet d'inquiétude. Quand on voit les grumiers sur l'axe lourd entre Douala et Yaoundé, vous dites que nous sommes un pays de transit, on vous l'accorde, mais on se demande, il y a eu une époque où on a dit on n'exporte plus les grumes. Qu'est-ce qui se passe? La loi de 1994, elle-même adossée à la politique forestière mise en place en 1993, prévoit qu'effectivement, il devait être mis un terme à l'exploitation des grumes, évidemment après une période donnée, une période d'adaptation. 1995, donc quasiment un an après, une ordonnance qui vient modifier la loi et qui permet qu'en fonction de la situation du moment, et je dois dire que là, nous étions en train d'affronter une crise économique importante, et on doit le dire, hein, je l'ai dit dans le jeu, le ministère des Forêts, le secteur de la forêt, est le troisième contributeur au budget de l'État et au produit intérieur brut, après le pétrole et l'agriculture. Dans ces conditions, les forêts devaient également contribuer, on va dire, à l'effort de guerre. Le bois, c'est quasiment du cash. Ça permet de renflouer, ça permet de contribuer au budget de l'État. Alors, est-ce que cela veut dire que nous allons continuer ad vitam aeternam à couper notre bois et à l'exporter? Je ne pense pas. D'abord, nous sommes partis à une convention qui prône la gestion durable. Et la gestion durable veut dire que nous veillons à ce que le potentiel ligneux soit quand même réservé, qu'il soit reboisé, régénéré pour les générations futures. Et ensuite, nous pensons que si les conditions le permettent,
notamment un retournement de la conjoncture avec des prix du pétrole dans un meilleur état et une situation sécuritaire moins aiguë que celle que nous connaissons actuellement, il n'est pas impossible que le gouvernement poursuive sur la lancée de la loi de 1994. Qu'est-ce qu'on doit en déduire? Étant donné que la situation économique, la conjoncture n'est pas très favorable, le pétrole, les préoccupations sécuritaires, on coupe le bois. Le ministre des Forêts ne coupe pas le bois. Il veille à la gestion durable de la matière ligneuse. Donc, nous avons un volume de 2,5 millions de mètres cubes pour l'exploitation de tout notre bois, que ce soit les forêts communales, communautaires, les ventes de coupe. Et sur ces 2,5 millions, 1,5 million sont transformés sur place. Et ce ne sont que 1 million qui vont à l'extérieur. C'est donc dire que nous veillons à ce que tout ce bois que vous voyez ne soit pas un bois qui va à l'exportation. Alors, vous avez précédé ma question qui concerne la transformation sur place du bois. Quelle dimension? La transformation est un processus important pour nous. C'est un processus qui permet de donner la valeur ajoutée à la matière ligneuse. On a tous bien compris, même les femmes qui vendent les prunes à Boumiebel au péage, qu'une prune qui a été cuite coûte plus cher qu'une prune qui tombe tout droit du prunier. Ça veut dire que quoi, pour ce qui nous concerne? Ça veut dire que le bois transformé a acquis une valeur ajoutée et que dans ces conditions, il a une valeur plus importante que le bois en grume. Nous, Camerounais, avons donc intérêt à transformer le plus possible. De ce point de vue, nous avons mis en place des politiques qui appellent un renforcement des capacités, plus de transformation. Et en liaison avec l'ANAFOR, nous sommes dans des processus qui nous permettent de sécher davantage, parce que le séchage est également un élément de valeur ajoutée. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce qui nous fait cruellement défaut, c'est les industries qu'il faut, les éléments industriels pour cette transformation. Je m'adresserai le moment venu à mon collègue des industries. Ce qu'il faut également, c'est le renforcement du partenariat avec les pays ou les opérateurs qui sont plus ancrés dans ce domaine. Et précisément, je m'apprêtais à vous demander de quel type de transformation il s'agit. Est-ce qu'il s'agit simplement de découper, de scier les grumes, ou est-ce qu'il s'agit d'exporter des matières, des produits finis? L'un des résultats de nos travaux dans notre politique de transformation, justement, a été d'aboutir à une sorte de catégorisation de transformation. Alors, la première, évidemment, c'est le sillage. C'est le plus simple, c'est ce que tout le monde voit et connaît. Et c'est ce qu'on voit, qu'on connaît, il n'y a que ça. Ah non, nous sommes en train de dépasser ce stade, puisque nous sommes déjà au minimum à la troisième. La deuxième étant le séchage. La troisième, nous commençons à faire des cadres de portes et fenêtres, ainsi que les parquets. La quatrième, c'est le produit fini. Nous n'y sommes pas encore. Enfin, nous y sommes, mais pour l'instant, c'est les cuirs à dents. Monsieur le ministre, on va repartir vers l'actualité de la semaine. On va parler de la conférence des gouverneurs qui s'est tenue cette semaine à Yaoundé avec une préoccupation centrale, l'élection présidentielle du 7 octobre. Séverin Alegambélé. Le ton est resté le même du début à la fin des travaux de la conférence semestrielle des gouverneurs de région. L'élection du président de la République, garant de l'ordre constitutionnel, doit se dérouler dans un climat apaisé. Et c'est tout le sens à donner à la profondeur des communications développées pendant ces assises. Communication du délégué général à la Sûreté nationale, communication du secrétaire d'État à la Défense chargée de la gendarmerie. La loi dit que l'administration doit appuyer les camps. Donc ça veut dire les forces de sécurité ainsi que les autorités administratives doivent apporter leur encadrement à les camps. Ça veut dire que le matériel électoral doit être sécurisé et les démembrements des camps doivent être protégés. Donc c'est une mission qui est essentielle et je crois que les gouverneurs ont bien capté le message. Sur le terrain, les gouverneurs ont à relever le défi d'organiser l'élection présidentielle dans tous les recoins du pays. Et pour cela, il faut des ressources. Nous allons profiter de ce que l'état d'esprit est très bon auprès de nos populations à cause des actions de l'État, des projets importants qui sont logés dans notre région. Pour rentrer dans notre localité, nous allons inviter les composantes politiques, la société civile. Ce qui va être fait, c'est plus de sécurité dans le cadre du processus électoral. Nous allons encadrer ce processus, d'abord en ce qui concerne la campagne, puis en ce qui concerne le déroulement du scrutin proprement dit.
La sécurisation du processus électoral en question est l'affaire de l'administration publique, mais aussi celle des partis politiques et des organisations de la société civile. Ministre des Forêts et de la Faune, M. Jules Doré Ndongo, je voudrais vous faire dire maintenant deux ou trois mots sur les forêts communales et les forêts communautaires. D'abord, comment est-ce que c'est organisé? Les forêts communales et les forêts communautaires constituent un instrument extraordinaire, important, pertinent, que le gouvernement a mis en place pour permettre que les populations riveraines de ces massifs profitent de façon directe des revenus tirés de l'exploitation de ces forêts. Alors, comment ça fonctionne? Une forêt communale, comme son nom l'indique, c'est une forêt qui appartient à une commune. Elle en fait la demande au ministère des Forêts qui l'accorde à la suite d'un processus. N'ayant pas les moyens, très souvent, et c'est également le cas de la forêt communautaire, sauf que celle-là, elle appartient à une association, à une communauté, à un GIC, avec un bureau exécutif. Toutes les forêts communales ou forêts communautaires, très souvent, passent une convention avec un opérateur qui lui a donc les moyens qu'il faut pour l'exploitation. Il y a un arrêté interministériel, je vous fais grâce des détails, qui date de 2012. C'est un arrêté conjointement signé par le ministre des Forêts, le ministre des Finances et le ministre chargé de l'administration territoriale, mais dans son volet décentralisation. Donc aujourd'hui, nous sommes quatre ministères à suivre cette question. Alors cet arrêté fixe des quotas et impose des règles. Dans ces règles, 30% des moyens qui seront dégagés iront au fonctionnement, 70% à l'investissement. À côté de cela, notons également que les unités forestières d'aménagement payent ce qu'on appelle la redevance forestière annuelle pour des montants très élevés. Et cette redevance forestière annuelle est répartie entre divers acteurs. L'État y a 50%, le FEICOM 18%, la forêt concernée 27%, le recouvrement 5%. Alors, le montant qui est dévolu aux communes et aux communautés devrait permettre à ces dernières, en application d'un certain nombre de cahiers de charges, de voir développer, de voir prise en charge un certain nombre de préoccupations importantes que nous connaissons, les routes, les écoles, l'appui aux populations dans certaines activités. Est-ce que cela est fait? Je ne peux pas le dire. C'est ma question. Les règles sont claires, elles sont strictes. Mais maintenant, qui se charge de veiller à ce que ces règles soient respectées? Vous avez déjà dans le fonctionnement de nos communes un gendarme permanent qui est la tutelle, qui est le représentant de l'État. Il y a déjà cela. Il y a nous-mêmes, ministère des Forêts, qui délivrons un certain nombre de titres d'autorisation. Maintenant, je dois dire que comme c'est une activité qui appelle, qui interpelle le suivi par quatre départements ministériels, il est bon que nous y allions ensemble. Et je peux vous dire qu'en ce moment, des réunions ont lieu pour dégager des terres de référence permettant que le fameux arrêté interministériel de 2012 fasse enfin l'objet d'une évaluation sur le terrain. Ces réunions ont lieu dans mon département ministériel et nous pensons que très prochainement, ensemble avec les collègues concernés, nous irons voir chacun dans le secteur qui le concerne si les édiles, les chefs de communauté, les présidents de bureaux exécutifs se conforment aux règles prévues par cet arrêté et si les populations sont satisfaites. Mais monsieur le ministre, vous entendez quand même les plaintes qui arrivent de ces populations. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui ne tourne pas rond. Monsieur Belibi, j'ai une autre casquette. Je suis président d'une association départementale de développement de mon département, l'Océan. Et à ce titre, ayant constaté que la fluidité du trafic entre Kribi et le Lodof était plutôt incertaine, on va dire qu'elle était interrompue, de même entre Campo et Kribi, j'ai dû, en tant que citoyen, en tant que président de cette association, de demander aux opérateurs du secteur dans ce département, donc qui coupent le bois de ce département, de voir dans quelle mesure ils pouvaient nous aider. Cela a été fait à la grande satisfaction des populations. C'est donc dit qu'effectivement, il y a des remontées de récriminations et je suis convaincu qu'à l'issue de cette évaluation qui va avoir lieu, nous saurons sur quel levier tirer pour rétablir les choses dans ce qu'elles devraient être. Dans les textes, dans les documents qui ont cours au ministère des Forêts et de la Faune, on dit que les aires protégées
représentent 8,22% de la superficie du Cameroun. Elles sont effectivement protégées, ces aires? Elles sont protégées. Le texte qui les crée le dit. Les responsables du ministère chargé du suivi de cette question veillent. Maintenant, vous connaissez aussi bien que moi comment les Camerounais fonctionnent. Vous avez ceux qui, sans la moindre autorisation, s'engouffrent, développent, et c'est d'ailleurs l'une des difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. Il y a un développement d'activités anthropiques, donc du fait de l'homme, qui s'ingère dans ces aires protégées. Il y a également les activités de braconnage. Nous, nous faisons notre travail. On va en parler tout à l'heure. Nous travaillons avec les moyens que nous avons. Du reste, cela fait partie des raisons qui m'ont motivé à convoquer cette importante réunion avec les partenaires forestiers pour voir comment, ensemble, sur des sujets qui, dit-on, concernent toute la planète, l'humanité, comment ces partenaires peuvent intervenir pour nous aider à faire face à ces préoccupations mondiales. Alors, au cours de cette concertation avec les partenaires techniques et financiers, c'était l'accord parfait? Accord parfait, non. Cependant, certains d'entre eux ont bien accepté et même se sont portés volontaires pour les secteurs pour lesquels ils avaient été invités, notamment le renforcement du parc automobile ou des motos pour donner plus de mobilité aux responsables chargés de l'activité sur le terrain. Je leur ai donné un certain délai, il n'y avait pas à répondre de séance tenante, mais ce qui est certain, c'est que dans le secteur de la forêt, avec les ONG et nous-mêmes, parfois les intérêts sont divergents, pour ne pas dire contradictoires. Mais l'intérêt de la chose, c'est de faire en sorte que, ayant les mêmes soucis, que nous puissions regarder dans la même direction. Une organisation non gouvernementale qui fait souvent parler d'elle et qui est très critique envers ce qui se fait au Cameroun, dans les forêts camerounaises, c'est Greenpeace. Quel est l'état des relations du ministère des Forêts et de la Faune avec cette organisation, Greenpeace? Le ministère n'entend pas catégoriser ou suivre de façon individuelle chacun de ses partenaires. Ce que je sais, c'est que nous suivons l'activité et le travail des ONG sur le territoire. Je veille à ce que cela soit fait de façon permanente, d'où ma demande que nous soyons informés en temps réel des descentes sur le terrain. Mais nous sommes le secteur régalien, nous entendons piloter le secteur et ne pas nous faire imposer nos mesures par des partenaires venus de l'extérieur. Boucher les oreilles. Vous bouchez les oreilles quand Greenpeace crie au loup. Non, nous réagissons, nous avons une bonne cellule de communication et nous communiquons à notre manière. Voilà, on va parler maintenant de la presse et d'une activité qui se développe dans la presse, le discours de haine. Le Conseil national de la communication a organisé un séminaire sur cette question cette semaine à Yaoundé, c'était mardi, et Rodrigue Bertrand-Tueno a suivi les travaux. Presse écrite, audiovisuelle et plus récemment cyberespace, le microcosme médiatique camerounais n'échappe pas au discours de la haine. Il y a des gens qui disent tout ce qu'ils veulent dire. Et ils ont oublié que la liberté a ses limites. Il y a l'incitation à la rébellion à travers de ce que les gens disent. Ça peut être les hommes et les femmes des médias, eux-mêmes donc les journalistes, mais ça peut aussi certaines autorités. Le phénomène prenant de l'ampleur, le CNC a invité au remue-ménage les professionnels du secteur. Par le canevas de 4 présentations, un diagnostic sans complaisance du mal a été fait, avec comme principal enjeu des prescriptions visant son éradication. On va proposer les recommandations et des solutions. On atteint que, en concertant avec tous les médias, nous pouvons, comme groupe, essayer de faire quand même une sorte de mémorandum. Et on va respecter. Est-ce que nous avons même un code? Qui respecte le code de notre profession? La situation ne changera pas tout de suite, mais le mérite du CNC aura été de tirer la sonnette d'alarme. Monsieur le ministre des Forêts et de la Faune, je vais vous rappeler un mauvais souvenir. C'était en 2012. Des braconniers venus de l'étranger et puissamment armés ont lancé des assauts sur les parcs nationaux de Boumanjida et de la Benoué. Est-ce que ce mauvais souvenir est complètement derrière nous? Un souvenir très difficile. Un souvenir qui également a provoqué un tollé général, une levée de boucliers, beaucoup d'émotions dans le monde.
Le gouvernement a réagi en mettant en place un programme spécial d'urgence de protection des aires protégées. Le souvenir est encore là parce que tout récemment, vous devez le savoir, des braconniers sont revenus et nous avons perdu des éco-gardes et même des personnels des forces de défense qui nous assistent dans la défense et la protection des aires protégées. Nous avions réagi en ce temps et en 2012, le gouvernement avait mis au point, avec du reste l'implication de nos partenaires, ce plan a un coût à hauteur de 125 milliards de francs. Et ça veut dire que les braconniers, on les tient à distance maintenant ou on est simplement sur nos gardes? Les braconniers ne vous disent pas lorsqu'ils arrivent. Donc nous avons intérêt à demeurer vigilants, à mener des patrouilles, à mener des rondes. Et je saisis d'ailleurs l'occasion pour dire notre gratitude au niveau du MINFOF, au MINDEF, qui nous assiste, avec qui nous avons du reste une convention, un MOU qui date de septembre 2016. Donc, avec le BIR, avec les brigades motorisées implantées à côté de ces aires de protection, nous veillons à ce que les incursions diminuent. Alors, je signale en passant qu'à l'Obeke récemment, nous avons fait fuir à deux reprises des braconniers venus d'un pays voisin et qui ont abandonné armes et munitions actuellement en notre possession. Mais cette convention avec le ministère de la Défense indique clairement que les éco-gardes ne sont pas à la hauteur de la situation. Elle indique surtout que pour l'instant, les éco-gardes ne bénéficient pas de tout le soutien et de tous les moyens qui devraient être les leurs dans l'accomplissement de cette mission très très périlleuse. Je voudrais signaler ici, peut-être que l'occasion, le lieu n'est pas de faire des comparaisons macabres, mais le nombre de personnels que nous avons perdu est supérieur au nombre des autres corps paramilitaires en activité dans le pays. C'est-à-dire que les éco-gardes perdent la vie plus que les douaniers et les gardes pénitentiaires. Comment forme-t-on les éco-gardes? Les éco-gardes sont formés à l'école de faune de Gawa. Les personnels des eaux et forêts sont également formés à l'école de Mbalmayo. Notre ambition est de faire en sorte que, de plus en plus, les éléments de cette formation qui concernent les activités physiques et militaires soient pris en charge directement sur site. Et cela fait partie, n'est-ce pas, des projections que nous avons avec le ministère de la Défense. Alors, dans la protection de la faune, monsieur le ministre, nous, les consommateurs de gibier, on a l'impression que nous sommes traqués par vos services. La réalité dans les chantiers et les restaurants que moi je vois dans le pays indique plutôt que l'activité demeure florissante, donc c'est que le commerce continue à nourrir son homme, donc nous mangeons du gibier. En réalité, ce qu'il faut dire, c'est que ce soit nos textes, que ce soit les conventions internationales auxquelles nous sommes partis, n'interdisent en aucun moment que les Camerounais aient accès au gibier. Ce qu'il faut savoir, c'est que un certain nombre d'espèces sont protégées. Elles sont intégralement protégées. Et on ne peut avoir accès à cette espèce que soit à l'occasion de battues administratives ou à l'occasion des chasses qui sont autorisées. Et une fois que le chasseur a pris le trophée, il laisse les dépouilles, n'est-ce pas, aux populations concernées. Mais je puis vous assurer que pour toutes les autres espèces qui soient protégées, nous y avons accès. Et de même, les populations riveraines chassent, n'est-ce pas, aux alentours et donc ont accès à ces protéines animales. Alors, à quoi servent les barrages qu'on a sur les routes où on ouvre les sacs et on cherche le gibier? Il peut arriver que certains petits malins puissent glisser entre les mailles du filet. Les barrages sont des barrages filtrant un peu plus haut pour que personne ne puisse traverser. Et ils servent non seulement au braconnage, mais également au contrôle de l'exploitation illégale des forêts avec des grumiers qui n'ont ni lettre de voiture, qui n'ont aucune autorisation et qui ont un bois sorti des forêts sans qu'il ait été coupé sur titre, c'est-à-dire avec les documents qu'il faut. Alors ceci me permet de parler d'un sujet lui également douloureux, la corruption dans les services du ministère des forêts et de la faune. D'abord, depuis que vous êtes à la tête de ce département ministériel, vous avez changé de religion, vous avez l'impression qu'on fait de mauvais procès à vos collaborateurs? Le président de la République intervient régulièrement sur cette question. C'est dire qu'elle est importante. Le classement qu'une certaine ONG a fait de nous en termes de premier pays corrompu
n'en satisfait personne. C'est donc dire que c'est une préoccupation que tous les membres du gouvernement, tous les responsables des entreprises, des unités et autres, doivent avoir à l'esprit. C'est donc un combat de tous les instants, d'autant plus que la corruption fait perdre à l'État d'importants moyens budgétaires. Alors, au ministère, évidemment, j'ai embrayé dans la poursuite des efforts engagés par mes prédécesseurs. Nous sommes exactement dans cette philosophie. Il est question d'un travail permanemment pédagogique, mais également de sanctions. Nous avons une bonne cellule de lutte contre la corruption animée par le ministre Macron Ouéyon et qui descend régulièrement sur le terrain. Récemment, il était dans le littoral. J'ai eu le retour et des sanctions ont été prises par rapport à certains collaborateurs impliqués et nous demeurons vigilants. Est-ce que vous observez de temps en temps quelques enrichissements trop spontanés pour être vrais parmi vos collaborateurs? Les rumeurs qui me parviennent sont que les documents qui sont soumis au ministre et qui permettent l'activité forestière sont des documents qui ont un coût très élevé, mais dans une pédagogie de la répétition, je rappelle régulièrement à mes collaborateurs qu'une fois que j'aurai mis la main sur l'un d'entre eux, il servira d'exemple à tous les autres. Et il n'est pas impossible que j'aille au-delà des seules sanctions administratives qui sont prévues en ce moment, c'est-à-dire l'avertissement, le blâme ou les mesures conservatoires. Rien n'empêche un ministre d'engager plutôt une action pénale. Ce serait une grande nouveauté, mais si cela doit nous permettre de décourager les collaborateurs et de consolider la tendance actuelle à la baisse de ce fléau dans mon ministère, je suis prêt à m'y engager. Alors c'est probablement ce discours que vous êtes allé tenir cette semaine au cours d'une tournée dans le littoral et dans le sud-ouest. Nous allons revivre quelques aspects de cette tournée avec Marcel Ekassibilé et Stéphane Talat. La réserve du bois des singes de Douala a captivé l'attention du ministre des Forêts et de la Faune au cours de sa visite de travail. Jules Dorin Dongo a réitéré aux populations le bien fondé de cet espace créé en 1947 par l'État. Ce sont des leviers qui permettent au pays de gérer durablement les espèces, qu'elles soient fauniques ou bien qu'elles soient forestières. Si c'est pour la faune, ce sont des espaces qui leur permettent de se reproduire quasiment comme dans un milieu naturel. Face à l'occupation illégale des populations de cet espace, des dispositions sont déjà en cours. Le sous-préfet de Douala Deuxième s'est déjà saisi de la question et il est compétent pour cela en tant qu'autorité administrative et mis en place une commission qui est en train d'investiguer. Le tour effectué au parc à bois du port autonome de Douala a permis au ministre des Forêts et de la Faune de toucher du doigt les réalités de la société d'exploitation du parc à bois du Cameroun. Mais avant ces deux étapes, Jules Dorin Dongo est entré dans les moindres recoins de la délégation des Forêts et de la Faune du littoral. À ce niveau, il a félicité les équipes dont les résultats du travail sont visibles à travers les récentes saisies à Douala de 800 kg d'écailles de pangolin, 112 pointes d'ivoire et 80 kg de viande de gibier interdits de chasse. Au cours d'un échange qui clôturait cette visite de travail, Jules Dorin Dongo a enregistré quelques doléances, la principale étant l'insuffisance du personnel dans les différentes unités. Cette première visite de Jules Dorin Dongo dans le sud-ouest en qualité de ministre des Forêts et de la Faune a eu pour point d'orgue l'inauguration du siège de conservation du parc national du Mont Cameroun. Fruit de la coopération allemande, la construction de l'édifice d'environ 12 bureaux financés par la Banque allemande de développement a coûté plus de 350 millions de francs CFA. C'est un cadre propice pour la conservation de la biodiversité dans le parc national du Mont Cameroun. Le Mont Cameroun, c'est le seul parc qui passe de 0 mètres d'altitude jusqu'à 4100 mètres d'altitude. Et dans ces gradations de végétation, il y a aussi la biodiversité. On est en train de même toujours découvrir. C'est pour ça qu'on travaille même avec les universités et les chercheurs internationaux. En appréciant la symbiose entre le siège et la nature au pied du Mont Cameroun, le ministre des Forêts et de la Faune a lancé un message aux responsables en charge de la conservation dans le sud-ouest. Cela m'a permis également de donner un certain nombre de directives concernant les questions, les préoccupations relatives au braconnage, les questions relatives
à l'exploitation illégale des forêts, j'ai demandé à mes collaborateurs de demeurer vigilants, d'être attentifs et de veiller à la bonne exécution des missions qui nous sont confiées par le gouvernement. Le membre du gouvernement qui avait à ses côtés le gouverneur Bena Okalia-Bilaye a également pris le pouls des activités dans les services déconcentrés de son département ministériel au sud-ouest. Exercice marqué par une visite effectuée dans les locaux de la délégation régionale du MINFOF et une séance de travail avec les différents responsables. Monsieur le ministre Jules Doré Ndongo, parmi les espèces les plus menacées certainement de notre faune, il y a les éléphants. Je viens d'entendre parler tout à l'heure de saisie de pointe d'ivoire. Que reste-t-il de notre population d'éléphants? Les éléphants font partie des espèces protégées. Et je félicite mes services qui, en relation avec les autres services de sécurité, mènent une traque permanente et qui a pour résultat des saisies régulières. Récemment, c'était dans le sud, du côté de Djoum, 2016, en fin d'année, 216 pointes. Là également, comme pour les forêts, comme pour le bois, nous sommes un corridor de transit. Et dans ce cas bien précis, un calcul simple permet de dire que 216 pointes, 108 éléphants ont été tués. Nous avons cherché longtemps ces carcasses sans les trouver. Et l'ADN, les recherches en ADN ont permis d'identifier que ce n'étaient pas des éléphants qui venaient du Cameroun. Donc, notre potentiel animal qui concerne les éléphants est bien en place et nous veillons, nous faisons la traque contre ces braconniers de notre âge et nous sommes bien décidés à leur rendre la vie dure. C'est rassurant. Reparlons maintenant du bois, le bois énergie. Est-ce que vous avez le sentiment que les populations camerounaises qui ont besoin du bois de chauffe, du bois de charbon, est-ce que ces populations sont bien servies? Les populations camerounaises ont besoin du bois de chauffe pour leur alimentation, pour d'autres besoins. C'est à nous, gouvernement, de mettre en place des mécanismes qui permettent que, dans les régions notamment septentrionales, ce bois soit disponible. Et je peux vous dire qu'en ce moment, des équipes ont été sur le terrain. Nous sommes en partenariat avec de grands opérateurs forestiers parce que dans les régions forestières, vous avez des rebuts, vous avez de la sciure, vous avez beaucoup de matériaux qui pourraient combler cette lacune dans les régions septentrionales et ce n'est pas encore le cas. Il sera donc question d'organiser le transport. Nous avons déjà identifié certains bassins, d'autant plus que cette activité elle-même permet de nourrir l'homme qui est derrière, même dans les régions septentrionales. Nous allons nous servir des rebuts pour en faire du charbon. Le charbon permet de remplacer le bois de chauffage. Donc, la problématique, elle est bien cernée. Les bassins sont déjà identifiés. Maintenant, c'est les mécanismes que nous sommes en train de mettre en place. Une toute autre préoccupation, monsieur le ministre, comment se porte l'école des eaux et forêts de Malmayo? L'école des eaux et forêts, une vieille dame, qui du reste ne fait pas son âge parce que les efforts du directeur pour la réhabiliter, pour la rendre fonctionnelle, sont tout à fait pertinents. Elle date de 1949. Récemment encore, je m'y suis rendu pour remettre aux élèves qui sortaient leur diplôme, 62e promotion. À cette école, j'en ai d'ailleurs profité pour inaugurer une bibliothèque très moderne avec des ouvrages et un bâtiment qui a été financé par l'OIBT avec l'aide du gouvernement camerounais. C'est donc dire que l'école, elle remplit ses missions, le cadre est plutôt agréable. Derrière, vous avez une grande forêt d'expérimentation mise à disposition par l'État. Je pense que tous les leviers nécessaires à son fonctionnement sont disponibles. Quels sont les débouchés pour ceux qui sortent de cette école? Alors, les débouchés, cela pose la question du sort des jeunes Camerounais qui ont fait nos grandes écoles. Au temps des vaches grasses, on va le dire, les débouchés étaient systématiques. On sortait de l'école, n'importe son diplôme, fonction publique avec matricule. Aujourd'hui, nous devons faire beaucoup plus attention et il y a une organisation entre le ministère des Finances et celui de la fonction publique et tous les autres. Je m'explique. Lorsque les élèves sortent des écoles nantis de leur formation et de leur parchemin, soit ils vont dans le privé, soit ils s'établissent. Les polytechniciens réussissent beaucoup à se mettre ensemble et à créer des entreprises. Pour les autres, il faut attendre qu'après consultation du ministre des Finances, pour étudier la soutenabilité de l'offre, que la fonction publique lance un concours permettant le recrutement des diplômés dans la fonction publique. C'est ceux qui seront admis
qui vont donc bénéficier du fameux matricule et seront donc affectés aux divers services qui expriment leurs besoins en la matière. Alors ceux qui ne sont pas admis à la fonction publique, c'est une idée reçue. Hein. Il paraît qu'ils vont alimenter les rangs des braconniers et ceux qui pillent les forêts. C'est avec plaisir que moi je vois souvent dans les CV de mes collaborateurs que certains ont fait 5 ans, 6 ans dans telle ou telle unité forestière, chez tel ou tel grand opérateur économique. Ensuite, ils passent le concours et nantis d'une expérience du terrain et du privé, viennent la mettre au service de l'État. Donc, ceux qui sortent diplômés ne vont pas systématiquement faire le braconnage ou bien l'exploitation illégale. Beaucoup d'entre eux se retrouvent dans les entreprises du secteur forestier. Voilà, pour la prochaine et dernière halte de cette émission, nous n'allons pas sortir de cette maison. Nous allons parler d'une activité du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, qui a reçu cette semaine les candidats à l'élection présidentielle ou leurs représentants. C'était pour organiser, bien évidemment, la couverture de la prochaine campagne électorale. Étienne Pascal Azégué. C'est une couverture maximale et impartiale à la CRTV pendant la campagne électorale. Assurance faite par le directeur général de la CRTV, représentant des 9 candidats au scrutin du 7 octobre 2018. L'expression du doute sur le visage des plénipotentiaires des challengers au scrutin s'est dissipée au fil des explications du top management de la CRTV au 11e étage de l'immeuble siège en baladeux. Au finish, il se dégage un satisfait général. On est rassuré hein, à la suite des propos du directeur général de CRTV, puisqu'on commençait véritablement à s'inquiéter par rapport au traitement que nous autres issus des partis de l'opposition avions reçu au niveau de la pré-campagne dans le service public. Le directeur nous rassure que, au-delà de ces équipes allouées, nous pourrons bénéficier des services des équipes de réserve si nous signalons qu'il y a des meetings ailleurs. Je pars d'ici satisfait de ce que la CRTV va veiller sur le caractère, j'allais dire le contenu des messages qui vont être ceux de la campagne électorale, des messages qui ne doivent pas être des messages de haine, des messages de division, des messages qui mettent à mal l'intégrité du territoire, notre unité nationale. Les plus sceptiques ont émis quelques réserves. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a retenu une phrase ici magique du DG de la CRTV qui nous a rassuré que chaque fois que vous avez un meeting, quel que soit l'endroit, quel que soit l'heure, saisissez-nous et nous allons faire le reste. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que là, le maçon sera jugé au pied du mur. On attend. C'est à la fin de la couverture de la campagne que nous allons apporter un jugement technique plus fiable et surtout plus honnête sur le travail de la CRTV. Le directeur général de la CRTV a anticipé sur ces malentendus. En réunissant bien avant cet échange, toutes les équipes de reportage de la radio et de la télévision. Comme un chef de troupe avant une bataille déterminante, Charles Ndongo prescrit ses règles majeures à ses reporters. Les reporters assignés aux candidats ne seront plus embrigadés dans des comptes rendus d'une minute 15. Vous devez raconter la campagne avec plus de liberté, restituer les faits, gestes et déclarations avec fidélité et justesse, sans abuser des qualificatifs et autres adverbes, mais privilégier les faits majeurs, des extraits significatifs des candidats présentés chacun à son avantage, sans ni trop embellir, ni dévaloriser les acteurs. Le challenge est immense, mais pas insurmontable pour ces férus du micro gonflés à bloc. Monsieur le ministre Jules Doré Ndongo, on va sortir de la forêt pour terminer cette émission. On va parler de précisément cette campagne électorale qui s'annonce. Vous êtes un responsable politique de premier plan dans le RDPC, notamment dans le département de l'Océan. Comment ça s'annonce là-bas? Vous rentrez, faut-il le dire, d'une réunion politique à Kribi. Je rentre fraîchement. C'était hier samedi, d'une importante réunion que j'ai présidée à laquelle j'avais convié de nombreux responsables de premier plan. En fait, c'est une réunion technique de restitution, mais beaucoup de militants sont venus et il était hors de question que... Donc, on a tous pu assister à la restitution des opérations de collecte
des moyens qui vont servir à soutenir et à bien gérer la campagne électorale dans le département de l'Océan. La cagnotte, elle est élevée. 78 millions de nos francs collectés au niveau des Camerounais. Nous avons tout reçu, 500 francs, 10 000, 100 000, 1 million. Mais j'ai surtout été frappé par le fait que ce ne sont pas seulement les militants du RDPC qui sont venus contribuer. J'ai eu la surprise de voir dans la salle un opérateur, un expatrié, mais qui est également convaincu que le président Paul Biya est l'homme de la situation. Et comme il veut s'assurer de son avenir au plan de l'activité forestière, il a mis 3 millions de francs. Toute la salle a applaudi. Monsieur le ministre, quelle est l'ambiance générale à Kribi autour du port, notamment il y a quelques remous qu'on a entendus il y a quelques jours. Je vais emprunter le mot du président de la République. Quelques remous de surface, mais nous ne devons pas avoir peur. Je pense qu'il y a une compréhension un peu erronée. Certains, et pas tous, même pas la majorité, pensent que le port étant à Kribi appartient aux Océanais. Or, cela est faux. Le port a été construit sur la base d'un emprunt, dont de l'argent que tous les Camerounais du nord au sud vont rembourser. Et de façon informelle, nous avons demandé, nous avons conseillé à ceux qui sont en charge de la question de veiller justement, comme le demande le président, que tous les Camerounais puissent avoir leur place dans ce port et pas seulement les Océanais. Voilà, monsieur le ministre, on va s'en tenir à ça. C'est pas une promesse. Je ne sais pas si elle est de nature à rassurer ceux qui se battent pour avoir une place à Kribi, au port de Kribi, non ? Maintenant qu'ils continuent à se battre, les dossiers seront examinés, mais c'est pour dire que tous les Camerounais ont leur chance. Il y a également le problème des indemnisations. Les indemnisations sont en fonction des moyens disponibles pour pouvoir faire en sorte que tous ceux qui ont perdu une habitation, une plantation, puissent être indemnisés à la hauteur du préjudice subi. Nous ne pouvons déclencher l'opération que lorsque nous avons une masse critique. Il ne sert à rien de commencer par deux personnes et de s'arrêter. Et je suis convaincu que les collègues concernés, le ministère des Domaines, le ministère des Finances, s'assurent que toutes les conditions sont réunies avant de passer à l'action. Actualité Hebdo, ce soir, c'était la dernière émission avant la campagne électorale. C'était avec le ministre des Forêts et de la Faune, Jules Dorin Dongo. Je vous remercie, monsieur le ministre, et je vous souhaite une bonne campagne par avance. Merci, monsieur Belibi, et bonne soirée. Bonne soirée, mesdames et messieurs.